Нет. Thank you.
Ne vous inquiétez pas, inspecteur. Ça ne fera pas mal. Est-ce que c'est pour moi ? Je reconnais ce style. Encore lui. Ah, écoutez, laissez-moi partir. Je peux vous emmener en sécurité. On a de quoi tenir. Restez avec moi et je peux vous faire sortir d'ici. En sécurité. Qu'est-ce qui vous intéresse tant dans la sécurité? Pourquoi voudrais-je sortir d'ici? Et certes, ce lieu est encore en travaux. Mais bientôt, il sera parfait. Il ne manque plus que mon inspiration et votre sang. Quoi? Mais putain, mais c'est quoi votre problème? Ne bougez pas. Oh merde! Oh merde! Au secours! Aide quelqu'un! J'ai dit ne bougez pas. Bien.
chance, Ryan. C'est censé être de l'art. Ça ressemble plus à une exécution. Un autre communicateur. Sûrement celui de Ryan. Les agents de Mobius. Ils ont sûrement quelque chose d'utile sur eux. Où il est passé? Qu'est-ce que c'est censé représenter? Putain, c'est horrible. Malade. C'était bizarre, même pour cet endroit. La planque de Neil est juste là. Autant lui annoncer la mauvaise nouvelle de vive voix. Vous les avez trouvés ? Ils sont morts.
Mais d'après ce que j'ai vu, ça vaut mieux pour vous. Ils avaient prévu de tuer tous les survivants. Un protocole d'urgence Alpha 1, pas vrai? C'est pas la pire idée de la journée, cela dit. Vous commencez vraiment à me les briser, O'Neill. Je vois juste les choses en face. On peut pas sauver tout le monde. C'est pas possible. Mobius n'a pas créé des protocoles d'urgence pour rien. S'il n'avait pas fabriqué cet engin de l'enfer, il n'y aurait pas eu besoin de ces protocoles. Peut-être. Mais regardez ce qu'ils ont accompli. J'ai du mal à y croire. Toujours aussi fidèle après tout ça, hein? J'espère que votre loyauté vous rapportera quelque chose, parce qu'à l'heure actuelle, Mobius n'a pas l'air d'en avoir grand-chose à foutre de vous. Comment ça? Il vous a envoyé ici, pas vrai? Désolé, je voulais pas vous énerver. Tenez, j'en ai fabriqué d'autres. Pour le dérangement.